C'est quoi ce bain là? Ça bouge la graisse tout en raffermissant les chairs, c'est bon pour ce qu'on a. On a quoi? Bah 45 ans. Eh hey, les gars! Ils viennent en plus. Quelle belle prise! Nous sommes en compagnie de Julie Delpy pour son film Lolo, à l'affiche dans tous les bons cinémas de France mercredi prochain. Et au Canada, c'est Lola. 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 Vas-y, profites-en en vacances, un petit ramonage, pensez-toi de l'araignée. Mais il y a des trucs absurdes qui me font rire, en fait. En fait, si on rajoute un peu d'absurde sur du langage cru, ça donne un côté moins... Enfin, pour moi, ça enlève beaucoup de la vulgarité du dialogue, justement. La télé, elle est plus dans ma chambre. Éloi, mon fils. C'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René? Oui. Bah, je voulais une femme qui est un peu fragile à des niveaux et qui est en même temps super. L'idée, c'est qu'elle est hyper bien dans son travail, à l'aise, etc. Et elle a été une mère, enfin, super. Pas tout le temps présente, probablement, mais très. Très poule quand même. C'est une mère poule quoi. Elle a son fils, c'est tout pour elle, etc. Et du coup, elle a mis de côté complètement sa vie de femme quoi. Mais t'es tout rouge. C'est de l'eczéma. J'ai une question, toi qui t'y connais en maladie vénérienne. Ah bah oui, bien sûr, c'est ma spécialité. Jean-René, tu dégages le plus fort. Mais comment peux-tu imaginer que je puisse être intéressée par deux grandes blondes de 20 ans? Je suis très féministe et. Pour moi, c'est presque un devoir. Je sens que c'est un devoir de l'être. Ça paraît très débile de dire ça, parce que je fais des comédies et tout ça. Très débile. C'est très débile. Ça se dit pas très débile. Ça peut se dire. J'aimerais tellement que tu rencontres un mec bien. Ça changerait ta vie de merde.